Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un DIY et je vous propose de réaliser ce joli dessous, ce dessous de table ou comment dire aussi pour mettre sur votre bureau étoilé. Je vous propose de réaliser ces petits mignons en marque-page, ces petites trombones hyper croquantes, cette petite boîte. Un mouchoir très très sympa et très très simple. Et pour finir, on redécorera cette boîte parce qu'elle n'est pas très très jolie et on va la refaire à notre goût. Donc voilà pour ces petits DIY. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 petites choses à réaliser ensemble. Je vous laisse tout de suite avec le premier DIY, c'est-à-dire cette petite boîte. Alors pour réaliser cette boîte à mouchoirs, tout simplement, j'ai acheté une boîte chez Truffaut vierge comme celle-ci, qui était de couleur bois en fait, tout simplement comme celle-ci. Elle m'avait coûté pas très très cher, je pense autour d'un euro. Et j'ai utilisé pour la peindre cette peinture-là. En fait, c'est la peinture de la chambre de ma poupette. Vous voyez, c'est violet aubergine numéro 5. Et bah, il restait un petit fond dans la boîte, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser. J'ai peint ce petit sweat que j'avais trouvé à Action. Et puis je me suis dit, tiens, je vais peindre aussi ma petite boîte. Donc j'ai peint que l'extérieur, tout simplement. Mais il me reste à faire avec vous. Donc je ne vous ai pas montré la procédure de peinture puisque c'est assez simple. Hein. J'ai juste peint avec un pinceau plat. Là, je vais recouvrir le derrière en fait de la boîte parce que j'aimerais bien qu'il soit sympa. Donc je vais utiliser ce papier-là que j'ai trouvé chez Action dans le kit. Action, le voici dans ce kit-là où il y avait pas mal de feuilles et j'ai choisi ce papier-là. Donc je vais le découper aux dimensions de la boîte, tout simplement. Je vais mesurer tout ça. Donc j'ai besoin de ma règle et j'ai besoin de mon crayon à papier et de ma paire de ciseaux. Donc je vais découper ça et je reviens de suite pour le collage avec toujours ma colle de chez Action qui est très très bien, une sorte de colle universelle, hein, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle et je vais coller et je vous montre le résultat juste après. Donc voilà, le premier DIY est terminé, ma boîte est terminée, j'ai rajouté ici une petite bande qui fait rappel en fait avec le dessous de la boîte et je trouvais ça hyper mignon. Donc voilà, cette petite boîte va aller retrouver la chambre de ma poupette, comme ça permettra de prendre des mouchoirs quand on est dans sa chambre. Et puis ça se fondra très très bien aux couleurs de sa chambre puisque sa chambre est dans les tons aubergine comme celui-ci et grise. Donc voilà pour le premier DIY, passons au deuxième. Pour réaliser ce deuxième DIY, je vous propose de prendre des ciseaux, enfin une paire de ciseaux, un crayon papier, un stylo feutre noir, du ruban adhésif double face, un ruban des couleurs que vous voulez. Moi j'ai choisi bleu foncé, bleu marine avec des petits pois, des feuilles de couleur, donc principalement pour réaliser ce marque-page mignon, bah, il nous faudrait des feuilles jaunes et bleu foncé, des petits yeux que vous trouvez chez Action. Tout ça, c'est du chez Action, ainsi que ceci. Et voilà, donc la réalisation, et bien sûr, comme tout à l'heure, la colle. Donc pour cela, j'ai pris trois morceaux, enfin quatre petits morceaux de feuilles. Celui-ci, c'est le fond, en fait, qui est là, puisque j'avais pas beaucoup de feuilles jaunes comme ceci, en fait. Et un jaune plus pétant pour faire le mignon. Et deux petits morceaux de feuilles, mais il y en a un qui va être découpé pour faire les petites bretelles. Et celui-ci va rester le même. Donc les dimensions, c'est 5 sur 17, 5 sur 15 et 5 sur 6,5. Donc celui-ci, vous peu importe la taille, puisque ça va être pour faire les petites bretelles. Donc voilà à peu près, je vous montre de suite le petit collage. De toute façon, c'est assez simple, hein. Vous allez voir, c'est hyper sympa. Et en plus, pour marque-page, je trouve ça hyper sympa. Donc je vais faire ça avec mes élèves aussi en classe. Donc ça va être rigolo. Et ils auront tous un petit marque-page très sympa. Donc j'ai découpé dans mon petit premier morceau bleu deux petites bretelles à peu près équivalentes au niveau de la taille.
Celle-ci sera dans l'autre sens. Et j'ai oublié de préciser qu'il fallait aussi, dans le matériel, une petite perforatrice à un trou pour réaliser le petit trou en haut et pouvoir passer le ruban ici. Donc voilà, nous allons pouvoir commencer le collage. Je recouperai ici un petit peu pour que ça soit bien bien aligné. Maintenant, je vais tracer avec mon feutre une ligne et à la règle une ligne pour les yeux, hein, comme celle-ci. Colorier la petite bouche. Faire mon petit trou pour passer la ficelle et ce sera presque fini. Alors pour les yeux, vous pouvez utiliser soit la colle, soit le ruban double face. C'est à vous de voir, comme pareil pour les couches que vous collez ici, vous pouvez utiliser soit la colle, soit le ruban. C'est à vous de, selon vos préférences, selon ce que vous avez. Voilà pour la tête. Je l'ai fait un peu haut les yeux, mais bon, c'est pas grave. Et je vais arrondir le haut et faire le petit trou de suite. Et voilà, donc là j'ai fait mon petit trou, j'ai plus qu'à passer la petite ficelle et ce sera fini. Vous avez vu, c'est hyper simple et hyper sympa. Alors pour réaliser la troisième DIY, il faudra des petites décorations comme ceci, des petites étoiles ou des petits cœurs à vous de voir en sorte de sequin, et des feuilles plastifiées comme ceci où il suffira juste de les mettre à l'intérieur, de les placer. Et de les mettre dans une machine à plastifier comme celle-ci, si vous en avez une, sinon bah, je pense qu'on peut le faire dans certains lieux. J'ai placé mes étoiles dans ma pochette transparente, je vais pouvoir les passer à la machine à plastifier pour avoir une sorte de sous-main comme celui-ci que j'ai trouvé pour information chez Maison du Monde, pour celles qui ne peuvent pas le réaliser. Il en existait plusieurs modèles avec des plumes et d'autres sequins, etc. Et ça coûtait 2,59€, donc je me suis dit que j'allais le réaliser moi-même, ça peut être sympa, et de vous le montrer pour celles qui voudront le réaliser elles-mêmes. Alors voici mes réalisations, elles sont terminées, je vous les montre une par une. Donc voilà, ça fait des sortes de sets de table que vous pouvez mettre sous votre bureau pour décorer, c'est hyper sympa je trouve. Le deuxième étoilé il rend très très bien, j'aime beaucoup. Vous pouvez mettre des étoiles après de différentes couleurs, enfin après c'est selon ce que vous avez envie. Hein. Et avec les cœurs il est très sympa aussi.
Pour le DIY suivant, il vous faut des petites décorations comme ceci, assez gourmandes. C'est censé être des gommes de chez Emma. Voilà, elles valent pas grand chose au niveau gomme, donc je me suis dit que j'allais les réutiliser pour mes trombones. Donc des trombones et un pistolet à colle, tout simplement. Donc j'ai mis la colle à l'intérieur et voici le résultat. C'est plutôt sympa. Donc pour ma dernière partie, je vais utiliser une vieille boîte comme ça de box, mais ma paire de ciseaux, du scotch double face, un crayon pour tracer et des feuilles de couleur. Vous choisissez les couleurs que vous souhaitez. Donc moi j'ai choisi ce motif là et le motif à petits pois là que je trouvais très sympa. Je me dis que ça peut être un combo très très sympa. Donc voilà, je vais tout simplement recouvrir ma boîte avec ce papier pour qu'elle soit beaucoup plus jolie. Je vous montre le résultat juste après. Donc voilà, j'ai déjà prédécoupé mon premier papier à la bonne taille pour recouvrir ici. Et j'ai mis du scotch double face sur les bords et je vais mettre de la colle au milieu pour finaliser tout ça. Je vais faire pareil pour la boîte en dessous. Donc le derrière de la boîte qui va être aussi avec des petits points comme ça violets. Et je vais faire les côtés après tout simplement. Les bords ici, vous verrez tout à l'heure, les bords ici. En fait, quand je vais mettre mon papier comme ceci et comme ceci, voilà. Et je vais mettre après mon autre papier qui va être là, qui va être de couleur jaune. Il va y avoir les rebords. Les rebords, je vais mettre du masking tape. Donc je vous montrerai ça à la fin, mais vous verrez, c'est hyper simple. Et voilà le résultat, la boîte est trop mignonne maintenant, je trouve qu'elle est super sympa et voilà, personnalisable. Après vous pouvez rajouter ici un petit logo pour votre box ou quelque chose comme ça, donc voilà le résultat. Donc après on peut rajouter, comme je vous ai dit, du masking tape sur les bords pour cacher les petits rebords comme ça. C'est à vous de voir si vous avez un joli masking tape. Je vais regarder moi dans ma petite réserve, mais j'aime bien comment elle est comme ça en fait, donc du coup je pense que je vais la laisser comme ça et peut-être ajouter ici un petit rebord pour autre chose. Donc voilà pour mes DIY, je vous montre une petite image finale et un petit bilan. Alors voilà ma petite vidéo DIY. Vous avez donc les 5 ou les 4, je sais même plus, 1, 3, 4, les 4 petits DIY que je vous ai proposé aujourd'hui. Donc les petits sets de table trop mignons, les petits marque-pages mignons et la petite customisation de boîte pour personnaliser la boîte que vous souhaitez. Et ainsi que la boîte à mouchoirs personnalisée. Donc j'espère que ces petits DIY vous plairont. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous plaît. Bisous.